Donc là, ça y est, j'ai sauté le pas, je suis à mon compte, et là, je découvre une énorme liberté d'être son propre patron, de pas avoir de reporting, de pas avoir de chef. Et donc là, c'est vraiment génial, je m'éclate dans mon boulot. Mais d'un autre côté, je me sens coupable. Je me sens coupable de m'éclater dans mon travail et d'avoir cette joie, en fait, parce que pour moi, le travail, ça doit être contraignant, ça doit être difficile, ça doit se faire dans l'effort. Et d'autant plus quand je décide d'aller à la piscine à 14h un mardi, j'ai l'impression d'être une grosse glandeuse. C'est que j'ai mesuré l'ampleur du conditionnement que j'avais au niveau dans le travail. Et j'ai aussi appris que finalement, c'était plus je m'accordais du temps et plus je travaillais dans la joie. Et plus en fait au niveau du business, c'était rentable et que finalement tout ça c'était un cercle vertueux, que c'était aussi important de s'accorder du temps personnel et que ça nourrissait le plan professionnel.